Chagnolot, merci à toi d'être là. Merci. Quel avenir pour ce qu'on appelle maintenant le Moyen-Orient? Y a-t-il une issue possible? Comment la vois-tu? Point de vue purement théorique, les solutions, tout le monde les connaît, il suffit d'aller puiser dans les résolutions, dans toutes les conférences internationales qui ont eu lieu depuis maintenant une quinzaine d'années. Et ça serait une paix juste et équilibrée si on allait puiser dans tout ça. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, à l'inverse, aujourd'hui, il y a un système qui s'est mis en place de domination de la puissance occupante sur les territoires occupés, dans le cadre d'une forme de démission de la communauté internationale, avec en plus la division des Palestiniens. Autrement dit, aujourd'hui, malheureusement, les conditions d'un règlement sont extrêmement fragiles, pour ne pas dire inexistantes. Une paix juste, ça voudrait dire que les uns et les autres, les Israéliens, les Palestiniens, vivent enfin à partir des droits qui sont les leurs. Je crois que c'est ça l'idée. C'est-à-dire que, au fond, là, pour le coup, c'est très simple. Dans les années 20, dans les années 30, les sionistes à l'époque, les Israéliens par la suite, les Palestiniens, ou les Arabes d'abord, les Arabes de Palestine, puis les Palestiniens, souhaitaient construire un toit politique, comme dit Galner, c'est-à-dire un État. Bon, les Israéliens ont réussi, pas les Palestiniens. Je crois que la paix juste, ça passe par la création d'un État palestinien. Un État palestinien, après, avec un sens de qualificatif, c'est-à-dire un État qui ait une continuité territoriale, un État qui puisse avoir Jérusalem comme capitale, Jérusalem Ouest étant israélien, qui puisse être un État comme les autres. Et dans cette perspective, s'il y avait un État palestinien à côté de l'État israélien, ça paraît très utopique aujourd'hui, mais pourtant c'est assez fondamental, on peut imaginer ensuite des formes de collaboration entre ces deux États. Si on avait réussi dans les années 97, 98, 2000, à aller au bout du processus d'Oslo, on aurait sans doute des situations radicalement différentes. Et j'ajoute que on n'est pas passé loin, contrairement à ce qu'on croit, en 2000, on n'est pas passé loin d'une paix juste entre Israéliens et Palestiniens. Aujourd'hui, il y a eu, surtout après la seconde intifada, il y a eu, et du côté israélien et du côté palestinien, des replis très forts, des replis identitaires. Et en Israël, ces replis identitaires sont traduits par, en fait, une radicalisation de la société israélienne vers la droite. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative en dehors de la droite, il n'y a plus de gauche. Il y a un centre qui, comme en Israël, comme ailleurs, est mou. Et en fait, il y a un pôle de droite et d'extrême droite qui estime que l'ensemble de la Palestine du Jourdain à la Méditerranée est en fait appartient à Israël et par conséquent il n'y a pas de négociation possible. Et donc nous sommes dans un système qui va bien au-delà d'un conflit classique, nous sommes dans un système qui s'enquiste, qui se coagule dans une forme d'apartheid, puisque dans les territoires palestiniens, à Jérusalem-Est ou à Gaza, c'est vraiment l'inégalité totale entre les uns et les autres, entre les Palestiniens et les Israéliens. Et à côté de ça, à côté de cette... C'est une forme assez nouvelle, finalement, que cette installation d'une domination écrasante, eh bien, il y a une démission, comme je l'évoquais tout à l'heure, de la communauté internationale qui laisse faire, pour plein de raisons. Et quant à la France, qui était, disons, un acteur important dans les années 80-90, qui était un peu un montreur de conduite, aujourd'hui a vraiment démissionné aussi, et surtout depuis deux ans, trois ans, avec l'arrivée de François Hollande, qui a disparu littéralement du Proche-Orient, en ce qui concerne en tout cas la question israélo-palestinienne. Ce n'est pas vrai pour d'autres points. Donc dans cette configuration-là, malheureusement, on ne voit pas du tout comment aujourd'hui il pourrait y avoir une solution juste et équitable de la question israélo-palestinienne.